moi, je vous remercie d'avoir invité, car il est exact que je suis assez passionnée par mon sujet et que quand j'ai l'occasion d'en parler avec un auditoire intéressé, ça s'appelle de la quintessence de pur bonheur. Alors, le sujet qui m'a été demandé de traiter s'inscrit dans un colloque intitulé « Autorité des enfants ont-ils pris le pouvoir ?» et le titre de mon intervention « En quoi l'autorité parentale est-elle mise à l'épreuve par les droits de l'enfant ?» C'est une question qui est terriblement actuelle. Et quelle heure à quelle, même si elle n'est pas tout à fait nouvelle. Il y a quand même déjà quelques années que cette question est posée, mais on a le sentiment de ne pas du tout approcher de la solution. Et la meilleure preuve se trouve dans l'actualité, puisque vous savez qu'en ce moment, est débattue devant l'Assemblée nationale une proposition de loi relative à l'autorité parentale qui donne lieu à beaucoup de difficultés et. À titre d'exemple, cette proposition ne contenait pas de dispositions relatives au changement corporel. Il y a des parlementaires qui ont voulu mettre un amendement interdisant les changements corporels. Cet amendement a dû être retiré à la demande du gouvernement, ce qui montre bien que le sujet est délicat, voire sensible. Alors, la question brûle de décoffrage, c'est peut-on concilier l'éducation qui implique une certaine obéissance à ce qui serait les droits de l'enfant. Est-ce qu'il n'y a pas une opposition entre les droits de l'enfant et les droits des parents? Et vous connaissez tous la boutade selon laquelle le premier droit de l'enfant, c'est d'obéir à ses parents. Et l'autre boutade qui consiste à dire qu'on parle toujours des droits de l'enfant et jamais de leurs devoirs. On sent qu'il y a là derrière une certaine agressivité et aussi pas mal d'incompréhension. Et c'est pour essayer justement de mieux comprendre les tenants et les aboutissants que je suis ici ce matin. Alors, comme vous a été dit, je suis juriste de droit privé, donc les réponses que je vais vous apporter, ce sont des réponses de juriste. Ce ne sont pas des réponses de sociologues, ni de psychologues, ni de philosophes, ni de médecins, c'est du droit. Donc je suis venue avec mon arme préférée, le code civil, plus quelques conventions internationales, et je vais vous parler de droit. Et bien évidemment, le droit n'est jamais hors sol, le droit n'est jamais détaché de la société à laquelle il s'applique et en même temps qu'il le sécrète, puisque le droit vient de la société pour régir la société. Et je pense qu'avant de parler du droit, on peut faire un très très rapide et très bref rappel de quelques caractéristiques de cette société. Alors, je crois que l'intervenant précédent en a déjà parlé, mais je réenfonce le clou. Nous sommes déjà dans une société où toutes les formes d'autorité sont mises à l'épreuve et contestées. Il n'est qu'à voir la chute de prestige de nos institutions politiques, à commencer par le président de la République. Il y a une déconsidération générale de l'autorité et, on ne va pas rentrer dans les détails, il y a beaucoup de raisons pour cette déconsidération de l'autorité. Je dirais un principe démocratique mal compris. Et puis, aussi, le fait que l'autorité elle-même, quelquefois, fait tout ce qu'elle peut pour se déconsidérer. En matière de droit de la famille, les lois vont se succéder, les unes après les autres. Ce qui est permis aujourd'hui et interdit demain, c'est perpétuellement en train de changer. Et une loi qui change perpétuellement, comment voulez-vous qu'elle ait la vraie autorité? D'ailleurs, au niveau fiscal, c'est connu, les personnes n'ont aucune révérence pour la loi fiscale, elle change tous les ans. Donc, on voit bien que l'autorité est en crise, toutes les autorités sont en crise, et évidemment, l'autorité dans la famille, forcément, est aussi en crise. Deuxième phénomène,
que vous connaissez bien sûr, mais qui n'est pas inutile à rappeler, c'est que les enfants sont devenus un bien précieux. C'est lié à toutes sortes d'évolutions, notamment médicales. Au siècle dernier, les enfants arrivaient comme ils voulaient. Et on en avait quelquefois beaucoup plus qu'on ne le souhaitait. Et il y avait des excuses pour une éducation un petit peu dure par moment. Aujourd'hui, l'enfant est programmé, l'enfant est investi par ses parents d'une énorme charge psychique et affective. L'enfant est là pour donner du bonheur à ses parents. Ouais, mais bon, si on coupe 3 heures du matin quand il va réveiller pour la quatrième fois, il faut vraiment s'y reprendre à deux fois pour se dire si c'est ça le bonheur familial. Donc, il y a une tension entre une représentation, là, à la fois sociale et individuelle, selon laquelle on attend du bonheur de ses enfants, et une réalité qui n'est pas toujours totalement rose, parce que la vie de famille est ainsi faite. Et puis, cette vie de famille, précisément, elle est devenue compliquée. Elle est devenue compliquée, les familles sont devenues beaucoup plus fluides, elles se forment, elles se déforment, elles se reforment. On parlait tout à l'heure d'un environnement sécure. Il est certain que c'est plus difficile de préserver un environnement sécure lorsque les parents se séparent, lorsqu'un beau-parent revient remplacer un parent, lorsque ce beau-parent à son tour s'en va, lorsqu'une autre personne vient remplacer ce beau-parent, ça demande quand même plus d'efforts pour sécuriser l'enfant dans un tel contexte. Un effort qui est d'autant plus difficile que souvent les parents, dans ce genre de situation, sont très accaparés par leurs propres soucis et ne voient pas toujours la souffrance de l'enfant. Ils ne le voient pas parce qu'ils n'ont pas le temps de le voir. De toute façon, comme ils n'y peuvent rien, ils préfèrent ne pas le voir. Mais c'est dur ce que je dis, mais malheureusement, c'est la réalité de beaucoup de familles. Donc une famille dans laquelle l'autorité est difficile et une famille qui vit elle-même difficilement. Il n'est dès lors pas étonnant que tout cela se traduise par des tensions. Alors, j'ai choisi de vous présenter mes propos de ce matin autour de deux pôles, parce qu'il me semble qu'il y a au moins deux grosses masses de difficultés. La première masse de difficultés est relative au contenu de l'autorité parentale, à sa définition et aussi à la manière dont elle va se mettre en forme concrètement au quotidien. C'est au premier chef, la question des droits des enfants et de l'autorité parentale. Et puis le deuxième point, je pense qu'il est important, c'est de voir quelles difficultés supplémentaires vont venir en cas de séparation du couple. Parce qu'il y a des difficultés particulières à l'exercice de l'autorité parentale lorsque les deux parents sont séparés. Donc d'abord, les droits de l'enfant face au contenu et à la définition de l'autorité parentale. D'abord les grands principes et ensuite leur mise en application. Alors, les grands principes ne dépendent plus totalement et même plus principalement du droit français. Les droits de l'enfant, ce n'est pas une mode, ce n'est pas une philosophie, c'est un corpus juridique. Et ce corpus juridique correspond à une vision de l'enfant. L'enfant est une personne. En tant que personne, il a ses droits et, rassurez-vous aussi, ses devoirs. Mais l'enfant n'est en aucun cas et à aucun titre l'objet d'une puissance des parents. Donc, vous avez toute une série d'instruments internationaux qui explicitent cette
vision des choses. Le plus important, vous le connaissez certainement, c'est la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, qui a donc bientôt 25 ans. Et cette convention proclame toute une série de droits de l'enfant, droits de l'enfant qui sont entrés dans le corpus juridique français. C'est-à-dire que les tribunaux, le Conseil d'État d'abord, la Cour de cassation ensuite, n'hésitent pas à prendre des décisions en s'appuyant sur la Convention internationale des droits de l'enfant. Alors, quels sont ces droits de l'enfant ? Eh bien, d'abord, le droit d'être élevé par ses parents, de ne pas être séparé d'eux, sauf s'il y a des raisons. Et la Convention internationale des droits de l'enfant proclame de manière explicite la responsabilité primordiale des parents dans l'éducation des enfants. Donc, il n'est absolument pas question de priver les parents de leur responsabilité. Mais il faut que cette responsabilité s'exerce sur des personnes, sur des autrui. L'enfant n'est pas un prolongement des parents, l'enfant est une autre personne. Et en tant qu'autre personne, cet enfant, il a un certain nombre de prérogatives propres. Alors, ces prérogatives propres, on peut en citer quelques-unes. L'une d'entre elles est le droit d'expression, dont nous parlerons en deuxième partie. Une autre prérogative est le droit à l'intimité de la vie privée, le droit... Alors, la Convention reconnaît, par exemple, à l'enfant un certain droit de choisir sa religion. Alors, de choisir sa religion en étant guidé par ses parents. Donc, on voit bien que dans l'esprit de la Convention, les parents sont là pour guider l'enfant de telle sorte qu'il puisse ensuite exercer lui-même ses droits. Les parents sont une espèce de rampe de lancement de l'enfant et de sa personne. Alors, je vous disais qu'il y avait d'autres textes internationaux qui sont venus ensuite. Alors, je vais vous citer quelques-uns de ces textes qui sont plus ou moins contraignants selon leur nature. Alors, il y a un texte qui est contraignant, c'est la Convention européenne sur l'exercice des droits par les enfants. C'est une convention du 25 janvier 1996. Vous voyez, elle a suivi assez vite la convention de 89. Et elle n'a été ratifiée en France qu'en 2008. 12 ans. C'est dire si ça n'a pas été évident. Et alors, avant de ratifier cette convention, la France a dû procéder à un certain nombre de modifications de ses textes. Et notamment, la France a dû préciser les textes du Code civil qui permettent à l'enfant de s'exprimer lorsqu'il est concerné par un procès, par un litige, c'est le fameux droit d'audition de l'enfant, notamment dans les litiges relatifs à l'autorité parentale. Et donc, la France a dû modifier le texte et elle a... notamment prévu que l'enfant soit averti qu'il a un droit d'expression. Parce que l'enfant avait un droit d'expression, mais personne n'était chargé de l'avertir de l'existence de ce droit. Alors, je passe, mais je voudrais quand même vous signaler très rapidement une recommandation sur la parentalité positive du Comité des ministres du Conseil de l'Europe. Donc, cette recommandation sur la parentalité positive date du 13 décembre 2006. Vous avez une résolution du comité de l'ONU sur les droits de l'enfant, qui est également en 2006, sur les châtiments corporels. Et vous avez eu quelque chose dont vous avez probablement entendu parler, qui est une résolution du Parlement européen.
Alors, il y a deux textes, un de juin 2013 et un d'octobre 2013, sur le droit des enfants à l'intégrité physique. Et ce texte du Parlement européen tente à empêcher les parents de faire circoncire leurs enfants avant que ces derniers n'aient atteint l'âge de donner leur consentement. Alors, ces différents textes internationaux n'ont pas tous été reçus avec un enthousiasme délirant. Il y a un certain nombre de contentieux, bon, je ne parlerai pas de la circoncision, bien que ce soit quand même un peu tendu, mais sur la question des châtiments corporels, il y a un véritable bras de fer entre la France et l'ONU, puisque le comité des droits de l'enfant de l'ONU proteste depuis donc 2006, hein, on est en 2014, contre le fait que la France n'a pas intégré dans sa législation l'interdiction des châtiments corporels. Et comme je vous le disais il y a un instant, cette interdiction des châtiments corporels, eh bien, elle n'est pas dans notre droit et ça n'est vraisemblablement pas la future loi sur l'autorité parentale qui va lui faire rentrer. Parce que c'est très difficile de faire comprendre aux parents que il y a des manières d'éduquer qui sont plus ou moins bonnes. Je pense que on pourrait schématiser la discussion autour de la cristallisation sur le respect. Là je parle de texte français. Bon, en droit français, le Code civil prévoit à l'article 371 que l'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses pères et mères. Il y a une bagarre depuis 1989, la Convention sur les droits de l'enfant, donc 25 ans, parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui voudraient qu'on bilatéralise l'article 371 et qu'on dise l'enfant à tout âge doit honneur et respect à ses pères et mères et réciproquement. Et il y a d'autres personnes qui disent, mais non, il n'y a pas de réciprocité. Il y a un respect dû par l'enfant à ses pères et mères, qui est une chose. Et il y a le respect que les parents doivent à l'enfant, qui est tout différent. Il ne s'agit pas du même respect. Dans un cas, c'est un respect généalogique, un respect lié à la position dans la famille et dans la société. Dans l'autre cas, c'est un respect dû par une personne à une autre. Donc, le respect dû par les parents à l'enfant est horizontal, le respect dû par l'enfant aux parents est vertical. C'est un petit peu compliqué à comprendre. Et alors, l'article 371-1 a été modifié en 2002, et dans l'article 371-1, on parle désormais du respect dû à l'enfant, mais d'une autre manière que le respect dû par l'enfant aux parents. L'autorité parentale, nous dit l'article 371.1, alors je passe, appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation, permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Donc le respect, il arrive tout à fait en queue de parcours pour indiquer comment l'éducation pourrait être faite. Mais pas du tout comme réciprocité de l'article 371. Alors, pour compléter sur le droit interne, la définition d'autorité parentale en droit français est la suivante. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Voilà. On n'en dira pas plus. Un ensemble de droits et de devoirs qui ne sont définis que par leur finalité. Alors, l'intérêt de l'enfant, c'est aussi la clé de voûte de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui dit que dans toute décision concernant l'enfant, l'intérêt supérieur de cet enfant doit être une considération primordiale.
Donc, le plus important, c'est l'intérêt de l'enfant. Alors, cet intérêt d'enfant est ensuite un petit peu décliné par l'alinéa suivant, puisque, comme je vous le disais, elle appartient, donc l'autorité parentale appartient aux parents, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation, permettre son développement. Alors, cette définition dit bien pourquoi l'autorité parentale, mais elle ne dit absolument pas quels sont les droits des parents. Et c'est vrai que ça m'est arrivé de taquiner des étudiants qui soutenaient des mémoires sur les droits de l'enfant, essayer de les provoquer un petit peu, en leur disant, bon, un enfant ne rentre pas à l'heure prescrite, que peuvent faire les parents? Ils ne peuvent pas l'enfermer, ce serait de la séquestration. Ils ne peuvent pas lui donner une bonne raclée, ce serait des mauvais traitements. Donc ils peuvent lui faire des gros yeux, pas toujours très efficaces. Et en fait, c'est ça la difficulté. Jusqu'en 2002, le Code civil parlait des droits et devoirs de garde, éducation, surveillance. Droits et devoirs de garde, éducation, surveillance, ça a un contenu qui est quand même un peu plus précis que droits et devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Et c'est très difficile de trouver une définition. Alors, je vais vous lire la définition de la parentalité positive, parce que je la trouve intéressante. Donc, parentalité positive, c'est dans la recommandation européenne. Se réfère à un comportement parental fondé sur l'intérêt supérieur de l'enfant, qui vise à l'élever et à le responsabiliser, qui est non violent, et lui fournit reconnaissance et assistance en établissant un ensemble de repères favorisant son plein développement. Alors, vous allez me dire, cette définition ne donne pas non plus de réponse à la question que faire s'il dépasse l'heure de retour prévue. Mais il y a quand même cette référence à un ensemble de repères qui montre bien la suite de la recommandation explicite, qui montre bien qu'il ne s'agit pas de laisser aller, laisser faire. Il s'agit de réussir à inscrire l'enfant dans un cadre, mais à l'inscrire par persuasion, une autorité naturelle, et pas par la violence. Alors, pourquoi pas par la violence? Pour deux raisons cumulatives et qui sont toutes les deux excellentes. La première raison, c'est que aucun être humain ne doit être jamais victime de violence. La violence, on n'a pas à la subir. On n'est pas sur Terre pour subir de la violence. Qu'on soit petit, grand, qu'on soit âgé de 95 ans ou de 6 mois, on n'a pas à subir la violence. Ce n'est pas dans la nature humaine. Et la deuxième raison, qui est un peu la même, c'est que ça ne fait pas bien aux enfants. La violence va justement inscrire cette violence dans la psyché de l'enfant, elle va lui faire imaginer que cette violence est quelque chose de normal, c'est un mode de fonctionnement comme un autre, et donc les études, paraît-il, mais je veux bien le croire, indiquent que les enfants qui ont été éduqués de manière violente adoptent eux-mêmes un comportement violent. Ça paraît tellement logique que j'ai peu de mal à croire ces études. Donc, autorité sans violence, le programme est joli. Alors, j'ajoute autre chose qui est important, même si en pratique, ça donne lieu à peu de litiges. Le dernier alinéa de l'article 371.1 dit que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Ça n'est pas révolutionnaire. Il ne s'agit pas, il ne s'est jamais agi de donner aux enfants un pouvoir de décision. D'ailleurs, lorsque l'enfant est invité ou s'exprime devant un juge,
jamais on ne va lui demander de prendre une décision. Et bien au contraire, tous les professionnels s'entendent pour dire qu'il n'y a rien de pire que les parents n'arrivant pas à se décider, de donner le pouvoir de décision à l'enfant. Mais ne pas donner le pouvoir de décision ne veut pas dire ne pas associer l'enfant. Il y a une démarche qui, au fond, est la démarche éducative de base, qui consiste à une co-décision avec l'enfant, par exemple en matière d'orientation scolaire. On ne va pas inscrire l'enfant dans une filière dont il ne veut pas. On va choisir ensemble, parents et enfants, la filière dans laquelle il va s'inscrire. En fait, tout ça nécessite, de la part des parents, un peu de calme, ne pas être même trop dépressif ou trop stressé, et de s'investir quand même pas mal. Et donc, c'est la question, la deuxième question, la mise en œuvre de ces beaux principes. Alors, on parlait tout à l'heure d'école des parents. Alors, je vais passer rapidement, parce que je m'aperçois que l'horloge avance. Il y a énormément de choses qui sont faites à l'heure actuelle comme soutien à la parentalité. Il y a des choses excellentes et des choses qui sont nettement moins. Les choses qui sont excellentes, ce sont toutes celles qui s'appuient sur des expériences partagées par les parents. C'est ce qu'on appelle les REAAP, les réseaux d'aide et d'appui à la parentalité. Ce sont en fait des groupes de paroles, des groupes de parents, qui fonctionne sous l'égide généralement des caisses d'allocation familiale, souvent aussi avec l'aide des municipalités, et ce sont des groupes de parole dans lesquels il ne s'agit pas d'instruire les parents, il s'agit de mettre en contact des parents qui ont des difficultés similaires pour qu'ils s'entraident, d'abord par la simple constatation qu'ils sont tous dans le même bateau, et ensuite, en échangeant un certain nombre d'idées, de repères, d'aides. Alors, bien évidemment, il n'est pas interdit au REAAP de faire appel à des professionnels qui peuvent leur donner un certain nombre de conseils, mais le tout est fait sur la base du volontariat et à partir de l'expérience des parents et d'un travail des parents sur eux-mêmes. Ça, c'est la version consensuelle qui fonctionne. Le plus gros problème des REAP, c'est la pérennisation de leur financement. Ça n'est pas un petit problème. L'autre type d'action, ce sont des actions un peu plus répressives. Et alors, ça a été beaucoup le cas sous le précédent gouvernement, où on avait créé le contrat de responsabilité parentale qui pouvait déboucher, si les parents ne faisaient pas ce qu'il fallait, sur la suppression des allocations familiales. Alors, ça a été supprimé. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise qu'on l'ait supprimé. Moi, j'ai toujours pensé que supprimer les allocations familiales à une famille qui va mal, ça n'est pas fondamentalement un moyen de la faire aller mieux. Mais, d'un autre côté, il paraît qu'à titre de menace, ça pouvait être efficace. Toujours est-il que la disparition des contrats de responsabilité parentale n'a pas supprimé la potentialité d'une répression. Il y a encore des textes du code pénal qui permettent de poursuivre les parents qui négligent complètement l'éducation de leurs enfants. Et souvent, ces poursuites vont donner lieu non pas à une amende ou à une peine de prison, mais à l'obligation de suivre des stages parentaux. Alors, est-ce que ces stages parentaux sont efficaces? Pas à 100% certainement, mais enfin, quand même un petit peu. Donc, je crois que la difficulté majeure dans ces situations, c'est que on est dans une contradiction. La contradiction, c'est que l'autorité parentale
elle est naturelle. Elle vient de la position des parents et elle vient de ce que l'enfant est naturellement porté à les respecter. Quand il y a dysfonctionnement, quand il y a intervention d'un tiers, cette intervention du tiers, par elle-même, disqualifie les parents. Et oui, et c'est ce qui fait que l'assistance éducative n'a jamais très bien fonctionné et a beaucoup de mal à bien fonctionner. Parce que c'est vrai qu'une mère qui est sous le contrôle d'une assistante sociale, ben, par hypothèse, elle ne peut pas exercer pleinement ses fonctions de mère puisqu'elle les exerce sous contrôle d'un tiers. Et les enfants savent, sentent très bien que si on surveille leurs parents, c'est que quelque part leurs parents sont à surveiller. Donc, je ne veux pas dire par là qu'il faut bazarder toute la ZE et puis mettre au chômage des assistantes sociales de la ZE, mais je veux pointer la difficulté extrême de l'exercice. Requalifier des parents, c'est très compliqué. Alors, je n'ai pas dit que c'était impossible. Je n'ai pas dit que c'était impossible, mais c'est très compliqué. Et pour en revenir à la fessée, dans des familles qui dysfonctionnent, le pire qu'on puisse faire, c'est de menacer les parents de sanctions s'ils donnent une fessée aux enfants. Parce que ça donne aux parents d'abord l'impression qu'ils ne sont pas maîtres de leur vie, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils estiment devoir faire, et ça les légitime à dire, bon ben, puisqu'on m'interdit d'agir, eh ben, je ne ferai plus rien. Et puisque la société est si douée pour savoir ce qu'il faut faire avec les enfants, eh bien que l'école et les assistantes sociales s'en occupent, moi on ne veut pas que je fasse ce que je sais faire, eh ben, je ne ferai plus rien. Alors, c'est une question de culture. C'est une question de culture. Je ne suis pas en train de défendre la fessée. Je suis en train de dire que l'opération qui consiste à aider les parents pour qu'ils puissent trouver les moyens d'un exercice serein et constructif de leur autorité, c'est quelque chose qui est difficile. Et que, en l'occurrence, les moyens radicaux, les moyens faciles, les yaka faucon, sont, c'est sûr qu'on se trompe. Alors, cette autorité, alors je vous ai parlé d'autorité parentale, j'aurais peut-être pu aussi ou dû vous parler de responsabilité parentale, parce que les textes internationaux parlent plutôt de responsabilité. Mais en France, on n'a jamais voulu changer l'intitulé, enfin, depuis qu'il existe, c'est-à-dire depuis 1970, parce que justement, dans la mesure où les parents se sentent pas forcément légitimes, pas forcément avoir en main tout ce qui serait nécessaire pour exercer leur autorité, l'idée de les rendre responsables, c'est d'une certaine manière leur dire qu'ils sont coupables d'avance. Le mot de responsabilité en France est de connotation assez négative. Donc, quand on dit aux parents, vous êtes responsable, ah là là, qu'est-ce qu'il a encore fait? Donc, on évite. Et on garde autorité, même si vous trouverez certainement ici et là des auteurs tout à fait respectables pour dire que ce serait mieux de parler d'autorité, de responsabilité plutôt que d'autorité. Alors, en contexte de séparation, en contexte de séparation, eh bien, les choses vont être encore plus compliquées, parce que là où nous avions les droits des parents et les droits des enfants, on va avoir les droits du père, les droits de la mère et les droits des enfants. Et on va avoir souvent deux parents qui, par hypothèse, n'ont pas la même opinion sur ce qu'il conviendrait de faire par rapport à l'enfant. Avec, il faut bien le reconnaître, et c'est cohérent avec ce que je vous disais sur l'enfant bien précieux qui comble le narcissisme de ses parents, avec une espèce de volonté d'appropriation souvent de l'enfant. On entend souvent les parents qui disent
que vivre sans leur enfance, ça ne leur est pas supportable. Ben, ça ne leur est pas supportable dans la mesure où ils ont un enfant à deux et où ils sont séparés, il faudra quand même bien qu'ils le supportent. Au minimum pour la moitié du temps. Il y a une espèce de deuil à faire de la présence de l'enfant qui est très difficile. Bon. Alors, le droit essaye de concilier les choses avec le principe de coparentalité. Il y a un texte merveilleux du Code civil, absolument merveilleux, qui dit, l'article 373.2, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Il n'y a pas de problème. Tout continue comme avant. Alors, en réalité, effectivement, les deux parents restent tous les deux parents. Ils sont co-titulaires de l'exercice de l'autorité parentale et ils sont condamnés à élever ensemble, jusqu'à sa majorité, l'enfant qu'ils ont fait ensemble. Évidemment, élever ensemble, alors qu'on se déteste, qu'on ne peut plus se sentir, et que le seul désir profond qu'on éprouve, c'est de mettre 10 000 km entre soi et son ex, c'est un petit peu compliqué. Alors, c'est un petit peu compliqué, mais c'est nécessaire. C'est indispensable, la loi l'impose. Alors, derrière ça, il y a aussi la guerre des sexes. La guerre des hommes contre les femmes. À l'heure actuelle, cette guerre des hommes contre les femmes, elle s'est reportée par la guerre entre les associations de pères et les associations de mères. Donc, le lundi, les pères sont dans les grues, le mardi, les mères sont devant l'Assemblée nationale. Alors là, je vais mettre ma casquette féministe. Et une fille pendant ce temps-là. Patriarcat. Le patriarcat, c'est la prise du pouvoir par les hommes sur les femmes pour s'approprier la descendance. Qu'est-ce que c'est la résidence alternée? C'est le fait que les hommes ne supportent pas que les femmes gardent les enfants avec elles lorsqu'il y a séparation, que les hommes veulent garder le contrôle sur les enfants, et donc pour garder le contrôle sur les enfants, ben, ils gardent le contrôle sur les mères. La version 2014, c'est ce qu'ils sont en train de nous préparer à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus, quand on est séparé, on ne pourrait plus déménager sans demander avant de déménager l'accord de l'autre parent. Donc les mères, elles ne pourront plus partir à la Réunion en emmenant l'enfant. Alors quelque part, ça se comprend très bien, et quelque part, c'est absolument insupportable. Parce que la femme au chômage qui trouve un travail à 1000 km de chez elle, si elle veut pouvoir partir avec son enfant, il faudra qu'elle demande l'accord de son ex. Eh oui, comme vous dites. Oh. C'est le seul commentaire. Parce que vous pensez bien, parce que comme elle n'est pas idéalisée des situations, il suffit que l'ex ait un pouvoir de veto pour qu'il ait envie de l'exercer. Donc, aux yeux de l'ex, les raisons du déménagement, elles ne seront jamais légitimes. Surtout si les raisons du déménagement, c'est que l'ex-conjoint s'est mis avec un nouveau partenaire. Parce que figurez-vous que les anciens, souvent, les ex, sont pas très contents de voir leur femme se remettre en ménage avec quelqu'un d'autre. Ça fait partie des réactions, je ne sais pas si c'est lié au cortex reptilien. Mais enfin, l'idée que le père de l'enfant soit le meilleur ami du beau-père, c'est une idée qui est quand même un peu cinématographique. Et je n'en veux pour preuve que des travaux du sociologue qui est spécialisé dans l'étude de la famille, qui est Sylvie Cadol. Donc Sylvie Cadol, c'est une élève d'Irène Thierry. Donc au départ, elle n'a quand même pas eu le mauvais maître.
Il y a Sylvie Cadol, j'ai lu son interview dans le Figaro, et elle est tout à fait contre cette obligation de demander l'accord, parce que, effectivement, quand on s'est séparé, quand on a refait sa vie, rester sous le contrôle de l'ex, c'est du patriarcat, c'est pas autre chose. Alors, bon, on est dans une société patriarcale, et puis de toute façon, il n'y a pas de solution miracle. Il faut bien le savoir. La résidence alternée n'est pas une solution miracle. Parce que la résidence alternée, elle enchaîne les deux parents dans une circonscription géographique d'une demi-heure de voiture autour de l'école de l'enfant. Ça s'appelle de l'assignation à résidence. C'est terrible, la résidence alternée. La résidence alternée, ça oblige à organiser ensemble les vacances de quatre adultes, les deux parents et les deux beaux-parents. Alors, vous direz que c'est déjà le cas, c'est déjà très compliqué. Alors, devant des situations si difficiles, aussi douloureuses, la législation et les juges, ils font ce qu'ils peuvent. La dernière trouvaille, c'est la médiation qui est censée tout résoudre. La médiation aide, elle aide puissamment. Mais on n'est pas dans un monde de bisounours. L'hostilité entre des ex-parents, conjoints ou ex-partenaires, on ne peut pas imaginer qu'elle pourra être supprimée à 100% par la médiation. Alors vous allez dire quelque chose dont on n'a pas beaucoup entendu parler, c'est l'intérêt de l'enfant. Et effectivement, c'est quelque chose qui me frappe. Et il y a énormément d'actes manqués, de lapsus révélateurs du législateur. Dans la proposition de loi actuelle, quand on parle de médiation, eh bien l'intérêt des parents vient en premier, l'intérêt de l'enfant en second. Ça dit beaucoup de choses. Et de fait, à l'heure actuelle, on essaye de pacifier la relation entre les parents, et on se dit que, après tout, si les relations entre les parents sont pacifiées, ce sera bon pour l'enfant. Ce qui n'est pas faux. C'est vrai que quand on trouve un arrangement entre les parents, par principe, c'est meilleur pour l'enfant que si les parents continuent à se disputer. Ceci dit, il y a des parents qui inventent des formes d'arrangement qui sont tout à fait toxiques pour l'enfant. Il y a des enfants qui sont victimes d'arrangements parentaux qui sont totalement contraires à l'intérêt des enfants. Et il y a des enfants qui sont en souffrance parce que les parents ont inventé des choses qui leur paraissent bien fonctionner et qui en fait ne correspondent pas aux besoins primordiaux de l'enfant. Et les besoins primordiaux de l'enfant, malheureusement, c'est pas forcément l'égalité entre les parents. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à dire et à entendre. Parce qu'on aimerait bien que l'égalité entre les parents et l'intérêt supérieur de l'enfant ce soit toujours coïncident. Mais c'est pas comme ça. Alors, on fait ce qu'on peut, on essaie de négocier au moins mal, on donne au juge toutes sortes d'outils en espérant qu'il arrivera à trouver de quoi pacifier les choses. De toute façon, heureusement, il y a toujours une fin puisque l'enfant finit par avoir 18 ans. Et donc, l'enfant grandit, les situations évoluent, ça finit toujours un jour par se régler. Alors, j'ai déjà un peu évoqué la question des beaux-parents. Vous savez, dans la proposition de loi qui est actuellement en débat, il y a tout un chapitre sur les beaux-parents. Quel est le problème des beaux-parents ? Ils ne se sentent pas reconnus. Quelle est la solution proposée par la loi ? Un contrat entre les parents et le beau-parent. Où est l'intérêt
un enfant dans cette histoire, la proposition loi ne se pose même pas la question. Si on remontait un peu en amont, qu'est-ce que c'est qu'un beau-parent? C'est quelqu'un qui vit avec un parent, qui vit combien de temps par semaine, qui vit depuis combien de temps, qui vit dans quel terme avec l'enfant, est-ce que l'enfant accepte le beau-parent, est-ce que le fait que les parents aient passé un acte sous sa privée ou devant notaire va modifier l'acceptation par l'enfant de son beau-père ou de sa belle-mère. En réalité, je crois que la question des beaux-parents, c'est une question qui est insoluble. Pourquoi? Pour moi, je reviens à ce que je disais au début sur l'autorité parentale. L'autorité parentale, c'est une place dans la famille. Tu respectes ton père et ta mère parce que ce sont ton père et ta mère. Si ton père ou ta mère est remarié, eh bien tu dois le respect au nouveau conjoint de ton père ou ta mère, parce que c'est le nouveau conjoint de ton père ou ta mère. Si ta mère ramène quelqu'un à la maison, est-ce que tu dois le respect à la personne que ta mère a ramenée à la maison? Oui, non, peut-être, ça dépend. Ça dépend de beaucoup de choses. Je crois que c'est très difficile d'instituer une forme d'autorité sur la base d'un contrat entre adultes. Je crois que le fond de la démarche est un petit peu bancal. Parce que l'autorité d'un adulte vis-à-vis d'un enfant, est-ce que ça dépend d'un contrat passé entre différents adultes? Est-ce que ça ne dépend pas plutôt de la situation d'adulte par rapport à l'enfant, du fait que cet adulte s'occupe de l'enfant, que s'il s'en occupe, bien, il doit avoir les prérogatives permettant de s'en occuper. J'ai un collègue qui vient d'Afrique qui m'expliquait qu'il était très choqué, enfin, il trouvait que le mode de fonctionnement européen est un peu curieux, parce que dans son village en Afrique, bien, tous les adultes sont responsables de tous les enfants. Quand un adulte voit un enfant qui fait une bêtise, eh bien, il l'empêche de faire la bêtise sans se demander si c'est son fils, son beau-fils, son cousin ou qui que ce soit. Il y a un adulte, il y a un enfant, il y a une bêtise, on empêche l'enfant de faire une bêtise. Et collectivement, la collectivité des adultes est en charge de la collectivité des enfants. Concrètement, de toute façon, ce type d'accord bute sur une difficulté juridique et une difficulté pratique. La difficulté juridique, c'est que normalement, tous les actes sur l'enfant doivent être faits par les parents d'un commun accord. Donc, le fait de déléguer à un tiers ne peut être fait qu'avec l'accord des deux parents, c'est ce que dit la proposition de loi, sauf pour des actes extrêmement quotidiens comme d'aller chercher l'enfant à l'école, et encore. Donc, cet accord nécessiterait que le père et la mère séparés investissent ensemble le beau-parent de ses responsabilités. Je connais peu. Je n'ai pas dit que ce n'est pas possible. Je ne pense pas que dans l'immense majorité des familles en composées, l'ex, le père, dans l'ancien. L'autre jour, à la télé, il disait père biologique pour l'opposer aux beaux-parents, mais ce n'est pas un père biologique, c'est un père tout court. Est-ce que beaucoup de pères sont prêts à donner par écrit aux nouveaux conjoints de leur femme des droits sur leur enfant? Je pense qu'il faudra un certain temps pour que l'habitude s'instaure.
Et dans tout ça, on a oublié notre sujet d'intervention. Où sont les droits des enfants? Nulle part. Alors, j'ai terminé par une observation que j'avais faite à propos de la proposition de loi. C'était pas une proposition, c'était un avant-projet de loi qui avait été lancé par Madame Morano en 2008. Alors, ce qui est assez drôle, c'est que le projet Morano comprenait à peu près ce qu'il y a dans la proposition actuelle, sauf que le projet Morano était soutenu par l'UMP, la proposition actuelle n'est pas soutenue par l'UMP. Mais bon, ça c'est des affaires de politique. Mais l'avant-projet de loi de Madame Morano, c'était un avant-projet de loi sur les droits des tiers. Alors pourquoi les tiers? Parce qu'on ne peut pas définir le beau-parent, étant entendu que on ne sait pas qui c'est le beau-père ou la belle-mère. À partir de combien de jours de vie avec l'enfant est-on un beau-père ou une belle-mère? Je n'en sais rien. Et donc, c'était les droits des tiers, et c'était les droits des tiers. Mais pourquoi diable les tiers auraient-ils des droits? Qu'est-ce qui fonderait des droits pour les tiers? Qu'est-ce que c'est que cette bêtise? Ça n'a pas de sens. En fait, investir le beau-parent, ça ne correspond pas à... Ça n'a pas été réfléchi à partir des besoins de l'enfant. Alors, je ne dis pas qu'il ne fallait rien faire, et notamment en 2013, on a fait rentrer d'une certaine manière les droits des tiers dans le code civil, puisqu'on a prévu un droit de visite qui est possible, après séparation éventuelle du couple recomposé. C'est à l'article 371.4. Voilà. Où il est prévu que l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants et si tel l'alinéa suivant dit, si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation et a noué avec lui des liens affectifs durables. Donc ça, c'est une définition législative du tiers qui pourrait avoir des droits. Mais ce que vous constatez, c'est que c'est une définition a posteriori et c'est une définition qui intervient dans un contexte judiciaire. C'est-à-dire que le tiers qui va revendiquer un droit de visite va montrer au juge qu'il a résidé avec l'enfant, qu'il a noué avec lui des liens affectifs, patata. Si on cherche à donner un statut aux beaux-parents sans passer par la case judiciaire, comment on va savoir la nature des liens entre l'enfant et le beau-parent? Qu'est-ce qui va être garant de l'existence des liens affectifs? Je ne sais pas. Donc en fait, tout cela, pour moi, est très compliqué parce que on veut instituer des figures de responsabilité dans des situations où les familles sont trop mouvantes pour qu'on puisse vraiment le faire. Mais bon, ça n'est que mon opinion et peut-être que l'avenir dira que j'avais tort. Voilà, je vous remercie, j'ai largement dépassé mon temps.